Hello, c'est le Snacky et nous voilà dans Mass Effect 3. Je faisais mes derniers réglages. Mass Effect 3, le début de la fin. Puisque c'est le début de Mass Effect 3, mais la fin de la trilogie Shepard. Donc voilà. On est fin prêt. On est fin prêt. Et on va lancer le final. Alors bon, c'est pas mon volet préféré, hein. C'est pas le volet d'ailleurs préféré de beaucoup de monde. Il est pas mauvais, mais il est critiquable sur plusieurs points malheureusement. Donc bon bah voilà. Bon, après c'est Mass Effect 3. Après il nous fallait un final. Le final c'est lui. Donc et ben voyons voir ce que ce final nous réserve. Allez, let's go. Nous sommes un homme, une femme, nous ne sommes personne, nous sommes un personnage importé. Snake Shepard a été retrouvé. Donc, la sauvegarde auto, la sauvegarde manuelle. La reine Rachni a été sauvée. Ashley Williams a été secourue sur Vermeer. Le conseil a été sacrifié. Les données de Mylon ont été sauvées. Vrex a été épargné sur Vermeer. Les hérétiques guettes ont été réécrits. La base des récolteurs a été détruite. 11 coéquipiers ont survécu à la mission suicide, donc je pense que tout le monde y est. Shepard n'a eu aucune romance avant Mass Effect 2. En effet, on s'est légèrement mis Ashley à dos, donc bon, ben voilà. Et puis, je l'ai déjà dit avec les autres, mais c'était pas, m'intéressait pas plus que ça. Shepard a une romance avec Miranda dans ME2, et ce sera toujours le cas dans ce Mass Effect 3. On récupère notre Miri préféré. Hors de question. Eh ben c'est tout. Voilà. Donc, on y va. On importe le personnage. Alors, le Shepi. Le Shepi, le Shepard. Pour le final. Il est beau, il est propre, il a pris du poids parce qu'il s'est légèrement relâché. Mais c'est normal. Donc, évidemment, c'est le visage à porter, pas touche. On ne change rien à ça et on lance. Notre Shepard est toujours un franc-tireur, ça change pas. Vous verrez d'ailleurs que Mass Effect 3 est fortement proche de Mass Effect 2. Hein. Il y a vraiment le 1 qui est un peu qui sort vraiment parce que ils ont totalement changé de direction hein, après Mass Effect 1. Donc on y va. Si vous cliquez sur entrée pour confirmer, après vous ne pourrez plus modifier votre personnage. Non mais tout est correct. Allez, c'est parti. Mass Effect 3. Let's go. L'OST est génial, encore une fois, hein, mais c'est pareil dans les trois, hein, j'ai envie de dire. Ça se présente comment? Mal. On vient de perdre le contact avec deux avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit? J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps? Très peu. J'ai donné l'alerte. Une flotte se mobilise. Croisons les doigts. Il est trop tard. En 2157, l'humanité a découvert qu'elle n'était pas seule dans l'univers. 30 ans plus tard, elle a paisiblement trouvé sa place parmi des douzaines d'espèces galactiques. Mais ce futur idyllique est assombri par un passé obscur. Les moissonneurs, des machines intelligentes responsables d'extermination de toute vie organique évoluée de la galaxie, tous les 50 000 ans sont sur le point de revenir. Les dirigeants de la galaxie sont paralysés par la décision incapable d'accepter l'existence de cette créature de légende. Mais un soldat a vu cette légende pour rendre vie. Désormais, le sort de la galaxie dépend de lui. Yes, je t'ai eu. Je t'ai eu. Cette fois, j'ai pu lire le speech avant la fin.
Commandant. James, vous n'êtes plus censé m'appeler comme ça. Ni censé vous saluer, commandant. Allons-y. Le conseil de guerre aimerait vous rencontrer. Ça semble important. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Ils veulent vous voir, tout de suite. Anderson. Amiral. Vous avez l'air en forme, je parle. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions? Que voulez-vous? Un bon lit et des repas chauds? On s'habitue vite. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette agitation? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Dis-moi cela. Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon? Si je le savais... Il fallait mieux se préparer. Si vous avez raison, vous savez qu'on est loin d'être prêts. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coups de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Vous avez affronté les moissonneurs et même communiqué avec l'un d'eux. Vous avez été témoin du sort qu'ils nous réservent. Vous en savez plus sur cet ennemi que n'importe qui. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau. Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cour martiale. Mes conneries, hein, c'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson, pas un politicien. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'un ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. Très drôle. On vous attend tous les deux, amiral. Bonne chance à vous, Shepard. Anderson. Shepard. Ashley. Lieutenant-commandant, comment ça s'est passé? Avec eux, on ne sait jamais. J'attends les ordres, là. Le lieutenant-commandant? Vous ne saviez pas? Non. On ne me dit pas grand-chose, ici. Pardon. Je ne voulais pas vous cacher l'info. Ne vous en faites pas. Vous deviez avoir vos raisons. Peut-être, oui. C'est quand même bon de vous revoir. Amiral? Allez. Vous vous connaissez? On peut dire ça. Elle peut pas me blairer. Amiral Anderson, Shepard. Quelle est la situation? Nous espérions l'apprendre de vous. Les rapports qui nous parviennent sont complètement déments, on n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies, et tout ce qui se trouve après le relais d'Helios. Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà? Les moissonneurs sont là. Et voilà. Il est trop tard. Mais alors, comment faire pour les arrêter? Les arrêter? On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les moissonneurs sont plus avancés, plus puissants et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais il doit bien y avoir une solution. Alors vous m'avez pris pour un con pendant plusieurs années, alors maintenant, il n'y a plus que la survie qui compte. Chacun d'entre nous doit être prêt à mourir pour sauver l'humanité. Sinon, ils ont déjà gagné. Et quoi? C'est ça le plan? Amiral, on n'a plus de contact avec Séléné. La Lune? Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Oh, comment ont-ils passé nos défenses? Amiral, le QG britannique a un visuel. Thank you.
fais donc, l'amiral Hackett. Qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. Il faut aller au Normandie. Oh merde! Ils sont là! L'attaque des moissonneurs aura été fulgurante dans ce début-là. Regardez, les voilà. Oh merde! Je savais que j'aurais dû continuer de faire des pompes! J'ai perdu la forme. Shepard, allez, debout. Prenez ça et tirons-nous d'ici. Ici Anderson, au rapport, répondez. Lieutenant Williams, c'est bien vous? Où en êtes-vous? Contactez le Normandie. Je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Ils sont énormes. Allez, Shepard. Ashley va rejoindre le Normandie. Si on atteint le spatioport, ils nous prendront au passage. On y va. Ça marche. Oh merde. Alors, on va remettre les pouvoirs dans le même ordre que Mass Effect 2. Donc l'invisibilité en 1, l'incinération en 2, l'unité 3, l'antigrave 4 et la cryo 5. C'est ça. C'était 4 et 5. Enfin, normalement, c'était en 6 que je mettais ça, mais... Mais ça va pour le moment. On peut laisser ça comme ça. Faut que je fasse attention à la vitesse. Ok. Jouabilité... Alors, difficulté des combats normal, niveau sous-poteau, non. Pouvoir du commando. Sinon, il utilisera ses pouvoirs uniquement défensifs et liés aux munitions, donc c'est juste. Sauvegarde auto, indice, icône d'action, ok. La narration. Mode de conversation total. Sous-titres, non. Casque de Shepard par défaut. Casque des coéquipiers désactivé par défaut, donc il sera désactivé la plupart du temps. Narration, raccourci, souris. On va essayer du 60 au niveau... Au niveau de la vitesse de la souris. Ouais, ça m'a l'air suffisamment rapide. Ah, avec les réglages, avec mes pré-réglages, ça devrait aller. Allez, on y va. Suivant Anderson. Allons-y. Attention. Comment peut-on arrêter un monstre pareil? On peut pas. Pas comme ça en tout cas. Prenez bien votre élan. C'est assez loin. On est foutu, Anderson. On est foutu. Ah, c'est beau, hein. Oh là là, l'attaque des moissonneurs, là. Oh là 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 là. Ah, on est mal. Venez, c'est le seul chemin. La voie est libre, on y va. Lieutenant commandant, vous me recevez? Je suis sur la radio de Shepard. Zombies, tuez-les!
plus de munitions. Vite, tirons-nous d'ici. Contre ces trucs-là, il faut employer la bonne vieille méthode. Ça marche. Ne les laissez pas vous attraper. Ah putain. Oh merde. On doit sortir d'ici et vite. Ok, laissez-moi trouver une des cartouches thermiques ou n'importe quoi. Oh non, en fait c'est mort. Attention. Ah non, maintenir F. Oui, c'est l'arrivée des attaques charges. Hein. C'est plutôt classe, d'ailleurs. C'est par là. Cette musique est magnifique. Ça va aller. Tout le monde meurt. Écoutez-la. C'est magique. J'espère seulement que Twitch ne va pas la mute, quoi. C'est superbe. Moi, j'adore hein, celle-là. Celle-là, elle est vraiment très très bien choisie. Pour l'urgence de la situation, la catastrophe, les morts... Le désespoir, le final, tout très très, très bien choisi. J'espère juste que Twitch ne va pas s'amuser à mute tout le passage, quoi. Viens, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Je sais pas. Par ici. Désastre. À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. C'est la guerre. Les gens meurent. Et c'est de votre faute. Je vous ai préparé. J'ai pas arrêté de me battre pour vous préparer. Et personne m'a cru. Vous m'avez défendu, mais à peine. On n'est pas responsable de ceux qui meurent. On se bat pour ceux qui resteront après la guerre. Oui. Vous avez peut-être raison. Ils ont frappé si vite. Ah, qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. C'est pas que vous n'avez rien pu faire, c'est que vous n'avez rien fait. Parlez au conseil. La citadelle, c'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le conseil doit nous aider. Mais oui. Vous pensez vraiment? Non, mais vous étiez un spectre du conseil. Ça doit bien compter, non? Je vous tiens. Ah. Merci. Je vous revaudrai ça. Et comment? Et c'est la Et c'est là qu'Anderson ne me rattrape pas et que Shepard meurt comme une vieille chaussette. Terminé. Terminé, chef. Oh putain. Lieutenant commandant William, arrivée prévue au spatioport dans 3 minutes. On est en Normandie. On subit des tirs nourris. Ah oui, c'est vrai. On fait des mouvements maintenant. Lieutenant commandant. Voyez. Ashley.
Hop. Et normalement même en arrière, voilà. On a des mouvements comme ça très 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 classe. Hein. Il est beaucoup plus nerveux encore ce Mass Effect par rapport aux deux. Hein. Beaucoup plus nerveux. Oh merde. Normandie, on va devoir faire un détour. Vous me recevez ? Normandie, répondez. Allié ! Ça va, vous deux ? Mais c'est vous ! Ils vont vous voir ! Gardez la tête ! Joli tir ! Voilà ! J'ai remis les mêmes touches que dans le bœuf pour être fin prêt. Je suis là. Que s'est-il passé? Notre navette a été abattue en plein vol. Vous avez une radio? On doit contacter notre vaisseau. Non. Il y en a une dans la navette, mais ça doit grouiller de ces saloperies. Ne bougez pas. On va vous sortir d'ici. Venez, allons voir cette navette. Au moins on est full. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est nouveau. J'ai beau avoir pris du poids, Anderson, j'ai rien perdu de mes capacités. Ouh, j'en ai même gagné de nouvelles. J'ai jamais été aussi agile. Oh, fusil d'assaut. Shepard, par ici. J'ai trouvé une radio. Normandie, ici Anderson, vous m'entendez? Amiral, où êtes-vous? Au port, près d'une navette abattue, je vais activer sa balise de détresse. Envoyez les secours, il y a des blessés ici. Lieutenant? Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Fait chier. Ok. Alors la musique est vraiment épique dans celui-ci. Hein. Ça par contre, on peut pas lui reprocher ça. La musique est géniale quoi. Ils ont intérêt à faire vite. Eh hey Anderson! Anderson, montrez-nous de quoi vous êtes capable, allez-y! Faites un petit tir percussif là, qu'on rigole! Ouais, pas mal! Ah, vous auriez pu être là pour la mission commando! J'ai plus de munitions. Moi non plus! Commence à en manquer! Je
Venez vous battre, enfoiré! Voilà d'autres. Putain. Anderson, repoussez-le! Bien joué! Putain, Sandy, attendez! Wouh! Joker! Il était temps! Musique épique activée! On y va! On reprend les services! Le Normandie! Mon bébé! Bienvenue à bord! Merci! Shepard! Allez! Partez sans moi! Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef. Pas question! C'est aussi notre combat. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. C'est vrai. Parlez au conseil. On a besoin de leur aide. Et s'ils veulent pas m'écouter? Je vous fais confiance. Allez, partez. C'est un ordre. Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégré. Commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je reviendrai, amiral, avec une armée. C'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard. Ah, il va organiser la résistance, Anderson. Et il va tenir. Il va tenir. Ah oui, il y a eu des morts. C'est quoi ce bordel? Où est Anderson? Et où on va? Hé! Hey! On s'en va. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Anderson veut qu'on aille à la citadelle pour trouver de l'aide. Je le crois pas, il ne dirait pas de partir. Il vient de le faire. Il comprend bien la situation. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Alors déposez-moi à la gare routière la plus proche. Assez, lieutenant. Vous n'êtes pas d'accord, on a compris. Mais on n'est pas en démocratie. On va à la citadelle. Si ça ne vous va pas, vous prendrez un taxi là-bas. Commandant. Joker, c'est vous?
En chair et en os, j'ai une transmission d'urgence de la part de l'amiral Hackett pour vous. Passez-le-moi. Je sais pas, j'ai subi de lourdes pertes. Les forces ennemies sont écrasantes. Mon armée n'aidera pas à les battre de façon classique. Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le conseil. Rendez-vous à notre avant-poste martien, avant qu'on ne perde le contrôle du système. Oui, chef. Il faut que vous alliez sur Mars. On a fouillé les archives protéines avec votre associé, Yara Tsoni. Où est un moyen d'arrêter les moissonneurs? On a donc la seule chance de les battre. Shepard, il faut vous rendre aux archives sur Mars. Je reprendrai contact au plus vite. Enquête terminée. Joker, Cap, droit sur les archives de Mars. Mars ? Bien compris. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me charge. Pourquoi Mars ? Qu'est-ce qu'il pense qu'on y trouvera ? Je ne sais pas, mais si ça peut nous faire gagner. Préparez-vous. N7. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me cherche. Ça. Ah, je vais jouer à Shepard un peu plus dur avec mon commando. Hein. Ça, c'est. Et c'est là que Twitch va carrément mute la musique d'intro là. Et va couper tous les pickness. J'ai essayé de joindre Mars sur des canaux sécurisés. Aucune réponse. Des signes d'activité des moissonneurs. Négatif. Idéa. La base semble alimentée. Ses occupants ont peut-être été évacués. On le saura bientôt. Joker, soyez prêts. Bien compris, Normandie terminée. On y est presque. Toujours aucun signe de la base, mais une grosse tempête vient sur nous. On a combien de temps? Une demi-heure au mieux. Après ça, on aura du mal à rester en contact avec le Normandie. Entendu? Alors, niveau 30. On va avoir de quoi faire pour le commando, justement. Oui, on est pas mal. Incinération, alors bombe collante, qu'est-ce que c'est? Colle une grenade sur un adversaire, l'explosion le réduit en pièces, et des fragments blessent les ennemis pris dans le souffle. Sabotage. Sabote les armes et pirate les synthétiques. Les synthétiques piratées combattent pour vous. Ah oui, c'est le piratage, quoi, c'est le piratage d'IA du 2, en fait. Donc, devenez un expert tactique sur le champ de bataille, plus de temps pour aligner le tir parfait, des réflexes plus rapides, plus de dextérité et plus de charisme. Athlète, vous prenez du muscle, devenez un adversaire redoutable au corps à corps, ça c'est pour les attaques au casque. Donc déjà mettre un point là me donnerait, prendrait 15 points. Test de rechargement, inflige 40% de dégâts supplémentaires pendant 8 secondes. Incinération cause 100% de dégâts supplémentaires aux cibles gelées. Dégâts d'incinération inclus de 50% contre les armures. Pas mal hein, ça, hein, de désintégrer les armures. En plus, dégâts supplémentaires aux cibles gelées, et j'utilise des munitions cryo. C'est une bonne combo, hein. C'est une bonne combo avec les munitions cryo, on a quoi 30% de capacité de munitions supplémentaires.
35% de tir en pleine tête aux ennemis gelés. Augmente les chances de geler une cible de 50%. Diminue la vitesse de déplacement d'une cible gelée de 20. Augmente les dégâts de tout type contre une cible gelée de 50%. Et diminue le blindage des cibles refroidies de 25. Diminue le blindage des cibles refroidies. Diminue la vitesse de déplacement. Moi je suis pour la vitesse de déplacement. Mission supplémentaire ou 35% de tir en pleine tête dans les pour les ennemis gelés. Ouais. Je suis pour les munitions là personnellement. Tir en pleine tête, pas forcément. Vitesse de rechargement accrue de 30%. Augmente les dégâts au corps à corps infligés sous camouflage 50. Possibilité d'utiliser un pouvoir sous camouflage sans être révélé. Ah c'est pas mal ça. Un tir de fusil de précision effectué sous camouflage inflige 40% de dégâts supplémentaires. Ou ça c'est encore mieux, je reconnais. Augmente les dégâts des armes de vos coéquipiers de 10. Augmente la force et les dégâts des pouvoirs de vos coéquipiers de 15. Augmente votre bonus d'encombrement de 35. Ah, ça peut être pas mal, ça. Augmente les dégâts et la durée de vos pouvoirs de 25. Augmente les dégâts de votre fusil de 15. Et augmente les dégâts des tirs à la tête de 15. Ça, il me faut. Encombrement, je prends. Vitesse de rechargement accrue, augmente les dégâts de corps à, au corps à corps infligés sous camouflage. C'est, je vais quasiment jamais au CAC, donc je prends vitesse de rechargement accrue. 4 secondes, 3 secondes, 6. Ah, c'est... Ouais, il n'y a pas une grosse différence. Ouais, 3 secondes, 6, c'est pas mal. Je prends ça quand même. Et je vais prendre athlète. Voilà. Ashley. Alors Ashley. Grenade Inferno, munitions antigraves, tir percussif, tireur d'élite et officier de l'Alliance. Au moins là je peux double cliquer, ça fonctionne. Augmente les bonus aux dégâts des armes de 30. Augmente les bonus à la santé et au bouclier de 30. Ok, elle va faire plus de dégâts sur les boucliers et la santé avec ça, pardon. Et là c'est un bonus au général pour ses armes de 30%. Bon, je préfère qu'elle ait eu un bonus au général de 30%. Augmente les dégâts des pouvoirs de 20. Augmente les dégâts du fusil de précision de 45. Elle a jamais eu de fusil de précision avant. Maintenant elle en a un. Ok. Enfin dans le 1 on pouvait utiliser toutes les armes. Mais voilà quoi. Augmente les dégâts des fusils d'assaut de 60. C'est excellent. Augmente les dégâts des armes de votre coéquipier de 10. Augmente les dégâts des pouvoirs de 20. Augmente les dégâts du fusil de précision. Ça c'est bien ça. Améliore la précision et la cadence de tir de l'arme pendant un bref instant. Je vais pas forcément en faire un sniper. Les grenades Inferno, cette bombe incendie donc une petite zone. Les munitions antigraves et James il a quoi? Les munitions incendiaires, ça j'aime bien. Les munitions incendiaires de James j'aime bien.
Donc c'est 4 points et 4 points. Donc elle n'a plus assez de points. On va conserver les points restants. Alors fortification, ça c'est excellent. Grenade frag. Munition incendiaire, ça me plaît. Carnage. Une explosion brutale réduit l'ennemi en bouillie, c'est pas mal. Et le maître d'armes. Augmente les bonus à la santé et au bouclier de 40. Augmente le bonus aux dégâts des armes. Ouais, en faire un tank, c'est pas une mauvaise idée. Augmente les dégâts de pouvoir de 20. Diminue le délai de rechargement des boucliers de 20. Ouais, c'est pas mal ça. Réduction des boucliers si on en fait un tank. Carnage, munitions incendiaires, ça me plaît. Voilà. Ouais, je suis pas déçu. Ah oui, on peut pas faire les armes, hein, je crois. Non. Moi je prends ça. Alors les deux là, ils sont équipés d'un fusil d'assaut. Hein. Avenger, Avenger. Donc Ashley, elle reste à l'Avenger. Avenger et pompe. Bah, ils peuvent rester, ils peuvent tous les deux rester à l'Avenger. Sauf que lui. Munitions incendiaires, il les utilise. Voilà, parfait. Et tant que j'y suis, renforce le blindage à l'aide de courants de Foucault. Purgez les courants et envoyez les charges dans vos gantelets pour augmenter vos dégâts en corps à corps. Ralentis l'utilisation des pouvoirs. Voilà. Oui, mais au moins c'est un permanent actif. Hein. On peut y aller. Putain, c'est pas une grosse tempête, c'est un putain d'ouragan. Allez, lieutenant, on a connu pire. Ça peut tout de même nous tuer. Je m'en fais plus pour la Terre. Ou pour cette base où personne ne répond. Vu comme ça. On y va. Cessez de cogiter et on avance. Ouais, je vais jouer à ces parts de plus dur quand même. Hein. Beaucoup plus dur. Il a été quand même pris pour un con assez longtemps. Qu'est-ce que c'est? Alliance. Sergent Reeves. Il n'a pas l'air de s'être défendu. Ça tourne pas rond ici. Il faut faire profil bas et comprendre ce qui se passe. Bien reçu. Ils vont le sentir passer. C'est prévu. On est repéré. Ah, des fois. Une explosion brutale réduit l'ennemi en bouillie. Ah bah. Oh, joli. Thank you.
Cerberus, pas vrai? Ils en avaient l'air. Que fout Cerberus sur Mars? Bonne question. Vous ne savez pas? Je suis plus avec eux si c'est ça que vous demandez, H. Je ne demandais pas, mais admettez que c'est troublant. Elle va... Encore des insinuations, H, hein? Comme d'habitude. Je sais qu'on peut pas se blairer, et croyez-moi, je vais vous recadrer, moi. Ah oui, je vais être méchant. Je veux une réponse franche. À quel sujet? Qu'est-ce que vous savez sur tout ça? Pourquoi Cerberus est ici? Pourquoi je saurais ce qu'il trafique ici? Vous avez collaboré. Comment croire que vous avez rompu tous les liens? Vous commencez à me gonfler. Nos intérêts convergeaient. Nous avons arrêté les récolteurs ensemble. Point final. Ils vous ont ressuscité. Confié un vaisseau, des ressources. Que ce soit clair, je n'ai plus aucun lien avec Cerberus depuis la destruction de la base des récolteurs. Et j'ignore tout de ce qu'ils font ici et de ce qu'ils cherchent. Le commandant Shepard a été sous surveillance depuis son retour sur Terre. Les communications étaient impossibles. Désolé, Shepard. C'était juste... Ouais, je sais. Eh ben, tournez la page et foutez-moi la paix. Vous voulez haïr Cerberus? Très bien. Mais je ne vous rendrai plus de compte. Je suis pas à prendre avec des pincettes en ce moment, Ashley. Est-ce clair? Bien sûr, je ne voulais pas... Vous ne voulez jamais, hein? Doudou, lieutenant. Elle est avec nous. Shepard, par la déesse, vous êtes en vie. Lia? Les rapports m'ont rendu si inquiète. L'attaque était violente? Ouais. C'était... dur de partir. Ashley, je suis désolée. Mais pourquoi vous êtes ici? Ordre de Hackett. Il a dit que vous saviez ce qui se passe. Oui. Alléluia. Des réponses, enfin. Peut-être. J'ai trouvé les plans d'une machine protéenne. Elle pourrait anéantir les moissonneurs. Ici, sur Mars? Oui, dans les archives protéennes. Ah, waouh. Ici, c'est quand même la première base qui nous a, qu'on a découvert, nous en tout cas, les humains. Ce qui nous a permis de pouvoir... conquérir les étoiles et nous retrouver donc avec les autres races galactiques. Ouais, parce que c'est quand même le premier enclave qu'on a découverte. Et c'est seulement maintenant qu'on apprend qu'il y a peut-être ici, dans les archives, une arme protéenne pour détruire les moissonneurs. Putain, la race humaine, quoi, sérieux.
Les archives sont connues depuis des décennies. Pourquoi maintenant? Par élimination, et avec une pointe de désespoir aussi. Quand j'ai eu les données sur l'incident du relais Alpha, j'ai su que je devais agir. Hackett le savait aussi. Je l'ai contactée en tant qu'informatrice, et on a partagé nos ressources pour trouver un moyen d'arrêter les moissonneurs. Mes recherches m'ont menée ici. Hackett m'a donné accès aux archives, et m'a informée à votre sujet. Je voulais venir vous voir, mais... Ouais, ça va, vous en faites pas. Ne vous en faites pas, je m'en fous pour le moment. Je suis pas vraiment de bonne humeur en ce moment. Votre travail ici était un peu plus important. En effet. En tout cas, mon travail a payé. Les archives sont très riches, elles regorgent de données. Je pense avoir trouvé. C'est trop beau pour être vrai. J'y croirai quand je la verrai moi-même. Où est-ce qu'on trouve cette arme? Ce n'est pas une arme. Pas encore. Ce sont des plans pour la construire. C'est plus que ce que nous avions jusque-là. Où les trouve-t-on? Les archives sont au bout de ce tramway. Enfin, si Cerberus ne l'a pas verrouillé. Que cherche-t-il? Ouais, on dirait qu'ils vous veulent vraiment. Ils veulent ce pourquoi je suis là. Ce pourquoi nous sommes tous là. Pourquoi? Les protéins ont failli avoir les moissonneurs. Ils comptaient les exterminer, mais ils ont manqué de temps. Et de quelque chose d'assez puissant pour détruire les moissonneurs. Est susceptible de beaucoup intéresser Cerberus. Alors c'est une course vers les archives. On a de la compagnie. Amenez-vous. Pas cette fois, James. Quoi? Retournez à la navette. Si Cerberus atteint les archives avant nous, vous devrez couvrir les sorties. Mais... On ne discute pas les ordres. Je suis revenu dans l'armée, alors faites pas chier, hein. Il se rapproche. On devrait se planquer. On dirait qu'ils nous ont trouvés. Pas pour longtemps. Aucun problème quand on a des pouvoirs de tout. Vous finirez par sortir. Ils sont tous morts. Bien, trouvons le moyen de monter. Très bien. M4 Shuriken ou M3 Predator? Non, on va lui laisser le M4. Bien, alors. Voilà, c'est voilà, comme je disais, c'est le retour. C'est le retour de, bah, de comment dire, du commando. Du commando original, quoi. Hein, le pragmatisme. Le pragmatisme qui monte. En même temps, il est vénère, le chef. Alors. La singularité, c'est ce qu'elle a pour le moment. La stase, la munition à distorsion, bénéficie d'un bonus de dégâts contre les adversaires vulnérables en train de l'éviter et affaiblit le blindage des cibles au sol. Augmente les dégâts des armes, augmente les dégâts contre les barrières et les blindages. Ouais, c'est une bonne combo avec la singularité qui les fait justement décoller le sol. La déchirure est biotique pure, améliore les capacités biotiques. Bon, ça c'est... Ça c'est à prendre de toute façon. Vitesse de rechargement de tous les pouvoirs accrue de 40. Santé et bouclier accru de 20. Elle n'est pas très résistante, hein, donc mieux vaut la vitesse. Bonus aux dégâts des armes de 20. Accroît la force et la durabilité de 30. Excellent. Et puis ça on verra après. Donc la déchirure, les munitions à distorsion. On peut toujours commencer le prendre pour l'en équiper elle. La Singu. On lui met. Aire d'effet accru de 25%. Augmente la durée de singularité de 30%. D'autres cibles peuvent être lévitées avant la fin de l'effet. Mmh. Pourquoi pas, on va prendre ça. La stase, la déchirure, on rompt la structure moléculaire, empêche la régénération de la santé et affaiblit les armures. C'est ça, la déchirure affaiblit les armures, c'est pas mal non plus. On va partir sur des déchirures, ce champ gravitationnel puissant arrête net les ennemis, pas d'effet sur les adversaires en armure. Les ennemis finissent par sortir de la stase après avoir encaissé d'importants dégâts.
Ouais, bah, la stase, pas tout de suite. Alors, on va partir sur de la déchirure. Ah, il me reste un point seulement. Parfait. Parfait, parfait. Je viens de remarquer quelque chose. En vous regardant toutes les deux. Dites-moi, Liara comme H, c'est moi ou vous avez pris en tour de poitrine? Non, parce que depuis Mass Effect 1, elles ont gagné en poitrine, hein, je suis désolé. Alors, Liara Tsuni, je peux comprendre avec l'âge en devenant une bonne mature. Oui, H aussi en même temps, c'est valide pour les humains. Elles ont pris en tour de poitrine. Ils ont saboté l'ascenseur. Il faut trouver une autre route. La touche qui fait tout. Comment Cerberus est-il entré? Bonne question. On a d'abord reçu des rapports sur l'invasion des moissonneurs. Puis juste après, c'était le chaos. Je n'ai même pas réalisé que c'était Cerberus au départ. Est-ce qu'il serait de mèche avec les moissonneurs? C'est peu probable, mais tout est possible. Non, Cerberus de mèche avec les moissonneurs, j'y crois pas. N'oubliez pas que l'homme trouble est un putain de raciste. Un pro-humain. Alors ça, il collaborera jamais avec des races extraterrestres. Alors ça... Son commando était purement humain. C'est moi qui ai instauré des aliens dans mon commando, comme Garus... Enfin, quoi que Mordine, Solus, ils me l'ont conseillé quand même. Ce maître là, c'était pas une bonne idée, mon gars. Le Shepard des Vénères. Ça, je prends. Nous devons accéder à la passerelle. Les commandes sont à côté. Oh là là. Examinez le datapad. Madame Mika, merci de votre offre. Nous proposons une nouvelle technologie de pointe. Comme pour les, comme pour les précédentes, nous ne donnerons pas suite à celle-ci. Nos experts en droit de la propriété ont encore relu vos contrats et les ont encore trouvés insatisfaisants. Version courte, nous ne sommes pas intéressés. J'arrive. Gantré Ariac Technology, munitions maximum. Niveau supérieur. Oh, le M4 Shuriken. Modifier l'arsenal. Alors, on a gagné un M4 Shuriken nouveau ici, on a quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'ici, on peut à nouveau utiliser toutes les armes. Bon, après, on n'est pas un expert du fusil d'assaut, donc je pense pas que ça soit très utile. Sniper, ben on est bon. Ici, c'est le pistolet lourd. Et ici, on a gagné le M4 Shuriken. M4 et alors Predator. Et ici, rien du tout à part le fusil d'assaut et le sniper. C'est bon. Laissez-moi essayer. Je vais vous donner un coup de main. Merde, quelqu'un a trafiqué la sécurité. Shepard, essayez d'accéder à la passerelle. Je n'ai pas accès aux commandes, mais... Et vous avez vu ça? Qui est cette femme à l'écran? Le docteur Eva Kor. Elle est arrivée la semaine dernière. Du nouveau?
passerelle inaccessible. Ok, on dirait qu'il y a un chantier à côté, on passera par le toit. On peut trouver un chemin à partir de là. Bien, on bouge. Tout le monde est équipé. Pourquoi tu me sors le sniper, toi? Alors, tu me cherches encore, hein? C'est ça? Ouais. Oh, elle répond oui, en plus. Elle vient de répondre, ouais. Ah, putain, elle me cherche. Ah, la connasse. Munition de distorsion pour Lyra. Parfait. C'est à cause de la tempête. Merde, si vous avez perdu le contact avec le Normandie, montez votre position. James, j'entends rien, répétez. Quelle est votre position? Merde. Ce sas devrait être fermé. Il ne semble pas avoir été forcé. Non, il faut contourner les protocoles de sécurité. Alors qu'ils y étaient encore. On dirait qu'ils ont griffé les murs pour s'échapper. C'est brutal, même pour Cerberus. C'est du personnel de Cerberus ? Non, bah non, non, c'est une base de l'Alliance. Cameron Harrison, Simon Watanabe. Qui est cette femme? Qui fout le bordel dans mes fichiers? Viens de là! Je ne laisserai pas une soi-disant experte qui ne sera plus là la semaine prochaine planter la zone dans mon système. Putain d'étrangers qui croient tout savoir et ne respectent pas ce que nous cherchons à accomplir ici. Docteur Elpha, sérieusement, vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé la dernière fois? Simon. D'autres. Vous connaissiez certains d'entre eux, Lyra? Je reconnais certains, mais je ne les connaissais pas. Traillette. J'étais la seule Asari ici. Je suppose qu'on me regardait bizarrement. J'ai passé le plus clair de mon temps en recherche et en traduction. Seule. Je ne vois toujours pas ce que vous avez découvert. Des bribes d'informations. Ils ont mis des siècles à éliminer les protéins. Les rares survivants protéins ont cherché un moyen d'arrêter les moissonneurs. Oui. Si mes traductions sont correctes, ils ont trouvé. Mais ils n'avaient plus les moyens de mener leur plan à terme. Ah bah non, ils étaient pas nombreux. Mais oui, on le sait depuis Los, depuis Vigil. Vigil nous a prévenu que les survivants avaient déjà cherché un moyen d'arrêter le signal des récolteurs que les moissonneurs envoyaient aux veilleurs. Ils ont donc continué à œuvrer.
Ça tombe bien, il fallait continuer d'œuvrer pour le scénario. Il faut d'abord pressuriser la salle. Et voilà, nous avons accès au labo. Et de là, nous irons à la station de tram. Eh, on dirait un enregistrement de ce qui s'est passé ici. Station de sécurité, vous êtes là? Il se passe de drôles de choses par ici. Nos protocoles de sécurité se sont déclenchés, tout est verrouillé. Docteur, je vous ferai un rapport. Nous savons comment Cerberus est entré. J'aurais dû m'en rendre compte en la croisant. J'étais trop absorbée par mes propres recherches. C'est pas vrai, vous n'allez pas commencer à culpabiliser. On oublie ça et on avance. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, il faut que vous nous meniez aux archives. Par cette porte, on se rapproche. Bien. En avant. Vous allez quand même pas commencer à m'emmerder avec vos ressentiments. D'ailleurs, cette femme, elle porte une tenue que je connais bien. Ça me rappelle des souvenirs. Une personne que j'ai connue. Et vous n'étiez pas là. Et putain, ça me faisait des vacances. Je parle trop dur avec ses amis, quoi. Ah merde, c'est pour refaire les armes, ça. Ah, mais j'ai perdu les trucs. Ah, ça fait chier, ça. Ah bah oui, du coup ça sert à rien, il faut que je... Oh. Les munitions cryo de groupe, c'est bien, mais voilà, ça gêne un peu quand... Mais bon. Matériau ultra léger. Oh oui, mon gars. Et ça, c'est en pleine tête. Elle est au sniper, elle a changé d'arme toute seule. Parce que là, je l'ai pas mis au... Je lui ai pas demandé de passer au sniper. Putain. Des compagnons autonomes, j'ai pas l'habitude. Okay.
Il nous a fait une belle esquive. Je lui reconnais au moins ça. C'est quoi cette puanteur? Ils ont activé les protocoles de décontamination. Avec le personnel à l'intérieur. Commande de stérilisation, désactiver la salle blanche. Ah ouais. Et ça, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. C'est ici qu'ils étudiaient les diverses reliques déterrées. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Trop de choses pour que ça tienne en quelques mots. Et ils n'ont pas creusé très loin. Il y a des coffres remplis de données protéines qui n'ont pas encore été étudiées. Elle mène droit aux archives. Cerberus a dû la boucler. Nous devrions pouvoir régler ça à la station de sécurité. C'est juste par là. Très bien. Je fais d'abord le tour. Bon, tour pour rien. On sprint même beaucoup plus longtemps. Shepard qui a arrêté, du coup, il l'a dit... Il a pris un peu du poing et tout parce qu'il s'est habitué. Oh, il s'est habitué à se laisser aller. Bah, il sprint quand même plus longtemps que dans Mass Effect 2. Alors le katana, on ne modifie pas l'arsenal. Fusil à pompe. Moi, je ne m'en sers quand même pas. Attention ! Sans blague. C'est la seule entrée? La seule à ma connaissance. Nous allons contourner, restez à couvert. Ouh, il y a un bug d'arme. Je passe devant. Ne la laissez pas vous viser. Moi je crains rien. Restez à couvert, Shepard. Ah, elle me voit la connasse. Ah, bouton du milieu de la souris pour contourner les coins. Ah ouais. Oh, oh, oh. Ah bah j'ai pas réussi. Ça c'est bouton de la bouton milieu souris. Ouais, j'ai pas réussi. Heureusement que ça marche bien. La tourelle ne peut pas nous tirer dessus d'où on est. Voilà, enfoiré.
Oh, le bouton, donc le bouton de la molette de la souris pour... Oh, j'ai un bug d'arme, j'ai un bug texture. Regardez, regardez mon flag. Oh, il est chelou. Le bouton de la molette de la souris pour faire les coins. Ah, ça, il va falloir que je bind ça dans les taux, dans les raccourcis. Il faut que je change de touche, là, parce que je vais pas y arriver. C'est trop pourri, en fait. Module. Je prends ça pour l'XP. Hein. Ok. Commande d'auto-tourelle. Dresser un périmètre. Personne ne passe. On a encore du monde de l'autre côté. Personne. Et coupez-moi ces caméras. On dirait qu'ils ont atteint les archives. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas disposés à envoyer un tram. On peut le contrôler ? Les archives sont sur un autre réseau. Nous sommes bloqués dehors. Pas complètement. Et si nous trouvions un émetteur à courte portée, casque à casque ? Et ? Et que nous les persuadions que nous sommes des leurs, et que les troupes de l'Alliance sont éliminées. Bonne idée. Tâchez de trouver ça. Quoi ? Le lieutenant-commandant est devenu très compétent. En effet. Commandant, j'ai quelque chose. Ça donne quoi ? Il a un émetteur dans son casque. Si j'arrive... Oh ! Bon Dieu ! On dirait un zombie. Pas vraiment. Mais ils lui ont fait quelque chose. C'est certain. Modifié ? Par Cerberus ? Ils prétendent défendre l'humanité, mais ils infligent ça aux leurs. Ça aurait pu être vous, Shepard. Pour moi, c'est ce que Cerberus vous avait fait. La confiance ne se commente pas. Vous m'assimiliez à ça ? Vous me comparez à cette chose ? J'ignore ce que vous êtes, depuis qu'ils ont mis la main sur vous. C'est bien vous ? Vous le sauriez s'ils vous contrôlaient d'une façon ou d'une autre ? Ash, c'est injuste. Je vide juste mon sac. Pas besoin de répondre. Rien de ce que vous pourriez dire ne me convaincra. Je suppose que la confiance viendra avec le temps. Ça, on n'a plus le temps. Les moissonneurs sont arrivés. Je croyais l'ennemi facilement identifiable. Ouais, je le croyais aussi. Pour l'instant, on doit se concentrer sur la mission. Ce qui veut dire faire partir ce tram. Chef ? Allô ? Allô, ici Delta. Est-ce que vous me recevez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Oubliez ça. Quel est votre statut ? Nous sommes à la station de tram pour extraction. L'ennemi est éliminé. Bien reçu. L'escouade Echo arrive pour sécuriser la station. Ils marchent d'après vous ? En tout cas, ils seront fixés bien assez tôt. Nous devrions nous placer et les prendre de flanc à la descente du tram. Bonne idée, lieutenant. C'est pas qu'il rame. Il court plutôt. On peut en placer un là. Compris. Compris. Ça marche. Voilà, allez toutes les deux là. Ok. Oh. Et voilà. Tout de suite. Ils sont tout prêts, prenez un peu votre fusil d'assaut au lieu de rester comme une conne avec votre fusil. Sniper. Ah, je suis vraiment dur avec H, hein, mais ça... Je suis vraiment dur avec H, mais voilà quoi. C'est l'état d'esprit de mon chef.
Ah, c'est des boucliers. C'est quand même pratique, les nouveaux mouvements. Ok, on va essayer de les faire décoller. Et voilà. Ils peuvent envoyer tout ce qu'ils ont. On maîtrisera. Bizarre ce bug de l'arme. J'espère que ça passera quand même. Parce que c'est assez moche. Bye.
Après, pour tous ceux qui regarderont la vidéo, il faut pas le prendre mal. J'aime bien Ashley, j'aime bien tout le monde en fait. Mais là, c'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire de mon chef. Il est un peu vénère puisque on s'est en fait pris la tête avec Ashley. Rien de méchant, mais voilà. Ah, mon arme. Mon arme a retrouvé ses textures. Mais voilà, c'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. C'est pour le lore. Oh, le Vindicator. Impeccable. Et là, un fusil à pompe ou mode pour fusil à pompe. Ash. L'homme trouble. Shepard. Shepard. Vous savez. L'homme trouble. Fascinant, ces protéins. Ils nous ont laissé tout ça à découvrir et nous avons tout dilapidé. L'Alliance a connaissance de ces archives depuis plus de 30 ans. Ouais. Et elle en a fait quoi? Rien. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que j'ai toujours voulu. Les données contenues dans ces artefacts sont la clé du problème des moissonneurs. Votre solution, je la connais. Vous changez votre peuple en monstre. Ils sont améliorés. Nuance. Ah si, c'est lui qui l'a fait. Voilà ce qui nous différencie, Shepard. Là où vous voyez la destruction, je vois le contrôle. Le contrôle du pouvoir des moissonneurs. Imaginez la puissance de l'humanité si nous les maîtrisions. Vous perdez du temps. La Terre est assiégée. Vous, vous spéculez sur le moyen de contrôler les moissonneurs? Vous avez toujours manqué de clairvoyance. Vous l'avez prouvé en détruisant la base des récolteurs. J'ai détruit cette base pour que vous ne mettiez pas la main sur ces informations. Non, ce n'est plus votre combat, Shepard. Vous ne vaincrez jamais les moissonneurs, même avec les données protéennes. Alors aidez-moi. Collaborez. Donnez-moi accès à vos ressources et je les arrêterai. Vous feriez mieux que d'autres, mais votre défaite serait presque assurée. Et surtout, je ne souhaite pas la fin des moissonneurs. Nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir, leur essence, pour amener l'humanité au sommet de l'évolution. Vous faites erreur. Vous êtes allé trop loin. Les moissonneurs nous tueront tous si on n'arrête pas ces querelles. Je ne vous demande pas de comprendre, Shepard. Et je ne cherche certainement pas votre approbation. Vous étiez un outil, un agent à but unique. Et malgré nos différends, vous avez plutôt bien réussi. Mais comme le reste des reliques ici-bas, votre heure a sonné. Assez parlé. Yara. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Je ne vous le redirai pas. C'est noté. Shepard. Quoi? Les données, elles ne sont plus ici. Elles sont effacées. Au revoir, Shepard. Merde. Comment il fait ça? C'est local. Quelqu'un doit envoyer les informations. Hey! Éloignez-vous de la console. Allez! Elle a les données! Elle est plus rapide qu'elle en a l'air. On la colle, la laissez pas filer.
Merde, elle a filé. D'accord, mais comment on la suit? D'accord. La voilà. Sur elle. Elle s'enfuit. Pas question. Attention. Moi, ça touche. Jax, vous me recevez? Cerberus a les données. Contactez le Normandie, qui débarque tout de suite. J'ai déjà couru après une femme auparavant. Le bourrin. Le Normandie arrive. Il sera bientôt là. Un androïde. Laissez-la. Vos ordres. Achevez-la. Headshot. Saloperie. Attrapez ce truc. On l'emmène. Je sais pas. Des signes de moissonneurs en orbite. Ash. Ashley. Les moissonneurs. C'est pas le moment de me crever dans les pattes, Ashley. On a encore des comptes à régler. Ce qui est pas faux, techniquement. Comme on peut pas se blairer dans l'histoire. Ce serait trop facile de mourir maintenant. Ashley a besoin de soins médicaux. Il faut quitter le système, Helios. Je sais. La citadelle est notre meilleur espoir. On y trouvera de l'aide. Joker, cap sur la citadelle. Bien reçu. Ash, tenez bon. Voyez ce que vous et Idea pouvez tirer de ça. Commandant, je reçois un signal sur l'encible secondaire. Il semblerait que ce soit l'amiral Hackett. Passez-le-moi. Je passe dans la salle des transmissions. Shepard, vous me recevez? Commandant! Idea, tu peux améliorer ça? Je ferai de mon mieux. Vous avez atteint les archives? J'en reviens. L'homme trouble était là. J'avais peur que Cerberus tente quelque chose.
Vous avez les données? La plupart. Il en a téléchargé avant que je puisse l'arrêter. Idea et Liara analysent ce qu'on a récupéré. Vous avez appris des choses? Ça valait le coup? Les premières informations indiquent que les données seraient le plan d'une machine protéenne. Une machine? Une arme, massive par la taille et la portée, capable d'infliger une destruction colossale. Envoyez-moi ces données. Nous ferons notre propre analyse. Si Liara a raison, on tient peut-être l'arme qui mettra fin au moissonneur. Je l'espère. Le lieutenant-commandant Williams a été grièvement blessé. On l'emmène à la citadelle. Je suis désolé, Shepard. Même si on sait tous les deux que ce n'est que le début. Allez voir le conseil. Montrez-leur ce que vous avez trouvé. Avec un peu de chance, ils vous appuieront. Et s'ils refusent? Faites ce qu'il faut pour les convaincre de se joindre à nous. Je vous recontacte bientôt. Enquête terminée. Commandant? Idea a extrait les données de la machine de Cerberus. Nous aurons des détails à montrer au Conseil quand nous atteindrons la citadelle. Et le lieutenant-commandant Williams? J'ai fait mon possible. Elle a grand besoin de soins médicaux adaptés. L'amiral a raison. Ça va empirer, hein? C'est ça? Si on n'arrête pas les moissonneurs, oui. J'ai regardé les données. Cette arme pourrait être la solution, si on arrive à la construire. Je me trompe, ou vous n'y croyez pas vraiment? Ah, je sais que c'est dur à croire. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait sur Terre? Comment une seule arme pourrait les arrêter? Quels sont nos choix? Vous savez qu'on n'y arrivera pas par les voies standards. Commandant? Ça vaut au moins le coup d'essayer, non? Je rends visite à Ashley et à James. Assurez-vous que tout soit prêt pour notre passage devant le Conseil. Je suis sûr que le Conseil fera le bon choix. Putain, la guerre sera courte, ils ne le font pas. Misez sur le Conseil. Vous percez encore d'illusions, Liara. J'ai un pouls, mais très faible. On y va. Vous l'emmenez où? Mémorial de Huerta. Les meilleurs soins de la citadelle. On ne vous suit pas? Nous devons voir le Conseil. D'accord. On dirait qu'on a de la visite. Commandant Shepard. Bailey. J'ai votre arrivée. Bailey. Capitaine Bailey. C'est bon de vous revoir. De même. Mais c'est commandant maintenant. Oh. Félicitations. Merci. Je passe la moitié de mon temps à gérer des conneries politiques et à escorter des dignitaires. Sans vous vexer. Non. Pas de problème. Donc vous nous escortez au Conseil. Je suis venu vous informer que le Conseil vous attendait, mais qu'il avait ses propres soucis. Avec la guerre, tout ça. Il s'excuse pour le désagrément et blablabla. Rendez-vous dans le bureau d'Oudina. Les conseillers ne devraient pas tarder. Très bien. Vous avez peut-être le temps de passer au centre médical, voir où en est la situation. C'est une bonne idée. Je peux pas la blairer, mais c'est une bonne idée. Merci. J'irai peut-être. Allez-y, Shepard. Moi, je vais dans le bureau d'Oudina. L'un de mes hommes peut vous montrer la route.
Vous ? Je suis juste venu en touriste. J'essaierai de ne pas créer d'ennui. Commandant, on a un problème dans le secteur des ambassades. Vous devriez venir. J'arrive tout de suite. L'autre moitié de mon boulot. On se voit plus tard, Shepard. C'est sûr. Veillez pour voir la position de Ludina sur la carte. Les personnages importants sont classés par lieu à droite. D'accord, bah oui. Ah, donc, Sazu Normandie, salon 2, c'est-à-dire derrière moi, Diana Allers. Pont panoramique, poste de contrôle. Conseiller Oudina, au bureau du conseiller. Hôpital du mémorial de Huerta. Docteur Chakwas. Oh ! Et docteur Michel ! Oh ! L2 des hospitalisations, Ashley. Ok. Et ben voilà. Financement de l'Alliance. Financement d'Alliance encore. Ah, c'est parce qu'on a fait sûrement de bonnes... On a fait pas mal de... On avait une bonne sauvegarde aussi. Ça aide. Madame, je ne peux pas dire si nous nous déployons, ni où, ni pourquoi. Mais vous êtes sur le Normandie, exact. Je l'ai vu à côté. Son dernier signalement était sur Terre. Le commandant Shepard, c'est ça ? Par rapport à Palavan, la planète des Turiens. Enfin voilà. Voilà, c'était l'épisode 1 Mass Effect. Elle m'a vu. Oui, mais 30 secondes. Oh, Veilleur qui se balade. Et ben voilà, c'était l'épisode 1 pour Mass Effect 3 qui est quand même très très long. Hein. Y a pas photo, j'ai pas pu couper tant qu'il n'y avait pas une petite pause. Là, ça y est, j'ai le contrôle. On a une pause dans la citadelle. Donc ça s'arrête là. Et ben voilà, donc je reprendrai maintenant qu'on est dedans. Ça y est, c'est le début du final. Et ben c'était le Snacky. Et moi je vous dis à plus tard dans l'épisode 2. Et putain, c'est la guerre. Thank you.